Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais devoir intégrer cette serrure dans l'ouvrant. Donc, ça veut dire défoncer une zone comme ça. Et en fait, je vais pas faire un film là-dessus. Je vais faire un film sur l'utilisation de fraises hélicoïdales. J'en ai trois à ma disposition parce qu'elles coûtent quand même relativement cher. Et je vais faire une comparaison entre ces deux-là qui donnent le même résultat au bout du compte, mais qui ne le font pas tout à fait de la même manière. Alors ce sont deux fraises de diamètre 12, longueur celle-ci fait 100 mm, celle-ci fait 110. La principale différence c'est que ça c'est une fraise classique avec des pastilles carbure là. Celle-ci est entièrement en carbure, c'est taillé dans un bloc de carbure. Alors c'est déjà un très joli objet du point de vue technique, et il y a une principale différence, c'est que celle-ci coupe beaucoup plus, dans le sens où elle va creuser dans le bois, évacuer les copeaux, et grâce à ces petites stries là faire de tout petits copeaux. En fait les copeaux vont pas être de longs copeaux, et ça sera beaucoup plus facile à avaler pour l'aspirateur. Ça fait beaucoup moins de volume au final et ça coupe mieux, ça coupe nettement mieux. Alors il y a une différence de prix entre les deux. Celle-ci, je crois, ça vaut une quarantaine d'euros. Celle-ci est à plus de 100 euros juste pour la fraise. Alors je vais d'abord monter la fraise classique sur la défonceuse. Et je vais faire un test de simplement faire une feuillure sur ce bout de hêtre et sans l'aspirateur. Comme ça, on pourra essayer de voir la qualité et la taille des copeaux. Donc je vais prendre la moitié de l'épaisseur de la fraise. À peu près 6 mm et je vais descendre de 30. Voilà, maintenant je vais installer l'autre fraise. Alors ces fraises-là, il faut bien les serrer, parce que vu qu'elles descendent toutes seules dans la matière, elles ont quand même tendance à être tirées par leur action, et il faut bien les tenir. Alors j'ai récupéré les copeaux de tout à l'heure, je les ai mis de côté.
vous avez pu voir que en seulement deux passes, je suis arrivé à faire les 30 mm de la feuillure. Tandis que là, il m'avait fallu 4 ou 5 passes, je me souviens plus, 4 passes, je crois, en y allant 5 mm par 5 mm. Et là, en deux passes, j'ai fait le boulot. Une passe là, et une deuxième passe là, et c'était fini. Et on voit que c'est des tout petits copeaux. Il y a beaucoup moins, il y a un peu d'arrachement là. Si j'avais été moins gourmand, je pense qu'il y en aurait eu un peu moins. J'avais pris plus de la moitié de la fraise. La feuillure, elle fait combien elle fait? En gros, elle fait 9 mm, 8 ou 9 mm. Alors pour ce qui est de l'utilisation à main levée, c'est beaucoup plus simple aussi. Là, je vais régler une position de 20 mm en dessous, à la louche. Hein. Et vous allez voir que la fraise n'a pas tendance à sauter à droite à gauche. Elle fait exactement ce que je lui demande. Donc là, pour faire ma défonce dans mon cadre, évidemment, je prends la mèche hélicoïdale. Elle ne fait que 8 mm alors que j'ai besoin de 10 mm de largeur. Évidemment, je commence par le côté opposé en me calant ici, de façon à ce que la mèche elle va me tirer dans le bois et de façon à ce que je n'aille pas trop loin. Voilà, en quelques minutes, on a une entaille de 40 mm qui va accueillir la serrure. Voilà, en 10 minutes, un quart d'heure, j'ai fait mes deux défonces assez simplement.